Oh Kelly, c'est forcément un match un petit peu particulier pour toi que ce déplacement du HAC à Soyaux. Soyaux où tu as évolué ces, les deux dernières saisons avant de signer ici. Qu'est-ce que ça t'inspire forcément ce match? On imagine qu'il y a des retrouvailles forcément un petit peu avec cette équipe de Soyaux. Oui, bien sûr, je vais revoir mes anciennes coéquipières et je vais revoir aussi les personnes du club dont j'ai partagé avec eux de bons moments quand même pendant 2 ans. Et voilà, moi, le seul objectif, c'est de gagner. Hein. Bon, forcément, on regarde un peu leurs résultats depuis le début de la saison. Voilà, ils ont des résultats quand même assez corrects, avec 4 points comme vous, du coup. Ça inspire un match qui s'annonce plutôt serré, du coup, entre Soyaux et le HAC ce samedi. Voilà, oui, on sait que c'est une équipe qui est solide défensivement, surtout on l'a vu, comme il l'a dit Fred, juste avant. Et voilà, il va falloir qu'on fasse correctement les choses, qu'on a vu en vidéo cette semaine. Et voilà, donc on a les solutions. Maintenant, ça sera à nous de faire en sorte de les faire sur le terrain samedi. Frédéric Gonçalves, l'entraîneur, parlait d'un match important, presque d'un tournant déjà dans cette saison. Est-ce que toi, tu ressens un petit peu aussi cette importance autour de ce match? Oui, non, c'est vrai, c'est super important. Et Vincent, on sait, hein, il faut prendre 3 points samedi et dans 2 semaines contre Rodez. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est 2 équipes de notre championnat et c'est maintenant qu'il faut prendre les points. On va pouvoir peut-être aussi souffler aussi un peu après. Et voilà, c'est le match, hein, donc voilà, ça va être une bataille. L'entraîneur a évoqué justement, voilà, il veut qu'il y ait beaucoup d'importance sur le caractère un petit peu de l'équipe, qu'elle montre son caractère sur ce match. Toi, en tant que voilà, joueuse expérimentée dans cette équipe-là, on imagine que tu vas aussi vouloir l'incarner sur le terrain. Comment le faire justement pour avoir ce caractère, comment l'exprimer sur le terrain de Soyo? Ouais, il va falloir gagner les duels, avoir beaucoup de communication positive et s'entraider les unes avec les autres. Un petit mot plus personnel pour toi, Kelly, sur ce début de saison. On sent que tu as vite trouvé tes marques, en tout cas dans cette équipe-là. Que tu as vite, y a une association aussi défensive qui porte ses fruits avec déjà Davis. On sent que voilà, pour le moment, tous les voyants sont plutôt au vert, en tout cas en ce début de saison, pour toi, à titre un peu plus personnel. Oui, je prends du plaisir. J'ai été très bien accueilli. Et voilà, c'est un club pro. Voilà, ça me parle parce que enfin, ce qui m'est proposé au quotidien, j'adhère. Donc voilà, après, je fais le maximum pour l'équipe et pour que ça se passe au mieux. Et bien sûr, oui, avec Dej, voilà, on s'entend bien. Je pense que ça se voit. On a quand même cette complicité qui se crée petit à petit. Tant que ça peut être bénéfique pour l'équipe, tant mieux.